Dans ce cours, nous allons voir comment réaliser un relevé bancaire complet sous Excel 2010. Alors, dans une autre vidéo, nous avons vu comment réaliser un relevé bancaire simple, c'est-à-dire le relevé que vous avez à l'écran, une colonne date, une colonne opération, débit, crédit, les totaux donc des débits et des crédits et le solde final. Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer donc ce relevé bancaire en ajoutant une colonne solde qui va nous permettre de connaître le solde au jour le jour, ce qui est très pratique pour savoir si on est passé éventuellement dans le rouge tel ou tel jour. Et nous allons rajouter la possibilité d'appliquer des filtres pour n'avoir qu'à l'écran, par exemple, que nos paiements par carte, que nos paiements par chèque ou que nos paiements liés aux courses, par exemple. Alors, nous allons déjà nous occuper de la colonne solde au jour le jour. Donc, nous allons la créer, tout simplement, solde. Nous allons rajouter les bordures. Et étant donné qu'on rajoute une colonne solde au jour le jour, le solde final, on pourra le supprimer, étant donné que la dernière ligne de la dernière opération forcément indiquera le solde final. Donc, je supprime tout ça. Et je vais quand même garder, on peut le garder ici, les totaux pour avoir le total des débits et des crédits du mois en cours. Nous avions ici le solde précédent, donc le solde initial. On va plus le mettre dans la colonne crédit ni débit, mais dans la colonne solde. Alors, si c'est un solde négatif, vous appuyez déjà sur moins et vous tapez votre chiffre. Si c'est un solde positif, donc crédit, vous tapez directement votre solde, votre chiffre. Alors, ici, nous devons avoir un solde qui se calcule automatiquement. Alors, avec une calculatrice, on ferait 120 moins 54,36. Avec Excel, ça change un petit peu, donc il faut rajouter le égal. Donc, on tape déjà égal, on clique sur le solde précédent, on tape le signe opératoire, donc moins, et on clique sur les débits, et on peut valider avec Entrée. Pour janvier, ça marche. Mais il faut savoir que ce tableau sert de maquette, c'est-à-dire qu'on va reprendre ce tableau pour le mois de février, mars, etc. Donc en février, il se trouve que peut-être que la première opération ne soit pas un débit, mais un crédit. Et si c'est le cas, vous voyez, j'efface le débit. Si je me place, admettons, en février, je commence par un crédit, je mets 50, eh bien mon solde ne va pas se calculer automatiquement. Je serai obligé sans cesse de modifier les formules de calcul, ce qui n'est pas pratique du tout. Quand on fait un tableau sous Excel, il faut se dire qu'on est en train de réaliser une maquette. Donc là, je supprime cette formule qui n'est pas bonne. Une maquette qui doit s'adapter à tout type de cas. C'est-à-dire que là, il faut qu'il s'adapte s'il y a un chiffre dans les débits ou dans les crédits. Donc, il faut qu'il soustrait les éventuels débits et qu'il additionne les éventuels crédits. Donc, dans notre cellule solde ici, on commence toujours par égal. On clique dans la cellule contenant le solde précédent. On tape sur le signe moins. On clique sur la cellule des débits. On appuie sur le signe opératoire plus et on clique sur la cellule des crédits. Comme ça, il va bien nous prendre donc le solde précédent moins les éventuels débits et plus les éventuels crédits. Je valide avec Entrée puisque ma formule est terminée. Je recommence une deuxième fois. Donc j'appuie sur égal, je clique sur le solde précédent, F4, moins les éventuels débits. Donc je clique sur la cellule des débits de la ligne concernée, le signe opérateur plus pour additionner les éventuels crédits. Et je valide avec Entrée. Comme la formule est identique sur toutes les lignes, mis à part donc le changement de ligne, on va faire une incrémentation. Alors, si vous ne savez pas faire les incrémentations, je vous conseille de consulter la vidéo à ce sujet. Vous allez mieux comprendre. Là, on va faire une incrémentation rapide. Je ne vais pas expliquer le détail. Donc, on va recopier cette formule-là. Donc, je me place dans la cellule contenant la formule à incrémenter. Je me place sur le petit carré noir, je clique, je laisse appuyer et je descends
jusqu'en bas. Ici, j'ai mon sol qui s'affiche ici au jour le jour. Et je vois ici que ces deux jours-là, le 2 et le 4 janvier, j'étais dans le rouge. Donc voilà pour la colonne solde au jour le jour. Maintenant, concernant les filtres. Ici, actuellement, je ne peux pas filtrer correctement. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, lui dire d'afficher que mes paiements par carte ou que mes paiements par chèque, tout simplement parce que dans la colonne opération, j'ai mélangé l'opération et le mode de paiement. Il faut, pour appliquer des filtres dans un tableau, que dans chaque colonne, il n'y ait qu'une seule information. Donc pour cela, je vais créer une autre colonne après opération que je vais appeler mode, donc sous-entendu mode de paiement. Donc pour ça, je vais faire un clic droit sur la lettre D, ce qui me fait apparaître un menu, et je vais faire un clic gauche sur insertion. Ça me crée automatiquement une colonne similaire à ma colonne précédente, c'est-à-dire opération. Je vais pouvoir la réduire et je vais l'intituler donc mode pour mode de paiement. Et ici, donc, je vais marquer les modes de paiement. Donc là, c'est carte bancaire également, là, virement, carte bancaire, chèque, prélèvement, et puis carte bancaire. Comme ça, dans la colonne mode, j'ai que mon mode de paiement. Et par conséquent, dans les opérations, il ne faut avoir que les opérations. Donc je vais enlever à chaque fois le mode de paiement pour avoir uniquement que les opérations. Alors très important aussi, pour que les filtres fonctionnent très bien, il faut que dans les opérations, pour une même opération, vous respectez le mot que vous avez mis. C'est-à-dire que quand vous mettez par exemple course au départ avec un S, il faudra marquer course avec un S partout. Si vous mettez, admettons, course Cora, il faudra marquer course Cora partout, ou alors course géant, course Leclerc, etc. Si vous allez dans différents magasins, auquel cas il faudra appliquer plusieurs filtres en même temps. Donc bien faire attention aux mots que vous mettez pour que les filtres fonctionnent correctement. Donc j'ai bien une colonne opération avec que les opérations et une colonne mode avec que les modes de paiement. Je vais créer une nouvelle ligne au-dessus de la première opération qui va permettre d'ajouter justement les filtres, les menus déroulants qui va me permettre donc de n'afficher que par exemple que mes paiements par carte, etc. Pour ça, comme je vais la créer au-dessus du de la première opération, je fais un clic droit ici sur son chiffre, donc un clic droit sur le 4. Je vais insérer, voilà, la nouvelle ligne. Je vais alors maintenant sélectionner l'ensemble de mes opérations plus la ligne vide que j'ai créée. Automatiquement, quand je vais appliquer donc l'option filtre, les filtres vont se mettre sur la ligne que j'ai créée ici au-dessus. Donc, pour les mettre, j'ai sélectionné mes opérations plus la ligne du dessus. Je vais dans le menu Accueil, j'y suis déjà. Et tout à droite, je vais cliquer sur l'icône Trier et Filtrer, ce qui me fait apparaître un sous-menu. Et je vais cliquer sur le mot Filtrer. Et voyez, plusieurs triangles sont apparus. Là, sur chaque colonne, un triangle est apparu, une liste déroulante est apparue. Ce qui va me permettre de filtrer chaque colonne indépendamment des unes des autres. Là, ici, par exemple, je ne veux que les paiements par carte, donc je vais cliquer ici sur ce triangle et je vais désélectionner tout, donc je clique sur sélectionner tout parce qu'il est coché, ça me permet de désélectionner l'ensemble des modes de paiement et je vais cocher uniquement carte. Je peux bien entendu cocher plusieurs modes de paiement à la fois. J'ai coché carte, je valide avec OK et ici, je n'ai que mes paiements par carte. Je peux multiplier mes filtres, admettons, je veux que les paiements par carte concernant les courses. Donc je laisse le mode de paiement par carte, mon filtre, et je vais rajouter ici le filtre course. Donc je clique ici, pareil, je désélectionne en cliquant sur sélectionner tout, ça me désélectionne les différents types d'opérations restant à l'écran, et je vais cocher course uniquement. Je valide avec OK, et je n'ai que là mes deux paiements de course le 2 janvier et 15 janvier, payé par carte et j'ai
mes deux débits ici. Je peux cumuler autant de filtres que je veux. Pour retirer ces filtres-là, eh bien, tout simplement, je reclique sur chaque triangle qui contient un filtre. Alors, on voit une différence. Ici, j'ai un triangle simple puisque je n'ai pas de filtre. Et ici, j'ai un petit triangle avec un entonnoir. Ça veut dire que j'ai un filtre. Donc, je clique dessus. Je reclique sur sélectionner tout. Et je valide avec OK. Même principe pour les opérations. Sélectionner tout. Et je valide avec OK. Donc voilà, nous avons vu comment réaliser un relevé bancaire complet à partir donc d'un relevé bancaire simple, c'est-à-dire qu'on a rajouté donc la colonne solde au jour le jour, et nous avons vu comment appliquer des filtres sur notre relevé bancaire.